Salut tout le monde, c'est X-Rouge et j'ai envie de vous dire enfin, ça y est, on peut refaire des vidéos. C'est bon, j'ai enfin pu trouver voilà, la prise qu'il fallait pour le recorder de mon HDPVR. Merci à tous d'avoir patienté jusque là. Comme je vous l'ai dit dans ma vidéo d'intro, enfin dans mon petit tuto de début d'année, voilà, c'était pas facile pour moi de ne pas vous faire des vidéos avec une nouvelle console qui sortait. Je compte bien sûr bien me rattraper et là je crois que j'ai pas mal de boulot devant moi. Première vidéo d'une longue série là que je vais devoir faire pour divers sites de jeux. En parlant de sites, la vidéo est faite pour jeuxvideostream.com. Et sur ce, je vais vous présenter mon coup de cœur 2013. C'est l'un des deux premiers jeux sortis sur le PSN Plus, car vous savez qu'avec le PSN Plus, chaque mois, nous aurons des jeux gratuits. Il s'agit de Contrast, voilà, jeu sur PlayStation 4, et un nouveau jeu, qui a plutôt la particularité d'appartenir à la catégorie des jeux ND. Donc voilà, sorti du coup le 29 novembre 2013. Et donc voilà, écoutez, je vais vous laisser découvrir par vous-même. Bon, c'est un jeu que j'ai eu l'occasion de finir à 100%. Parce que voilà, plutôt simple à faire. Si j'arrive à finir des jeux à 100%, c'est que c'est plutôt simple. Je vais donc directement. Je vais pas non plus trop vous spoiler pour vous montrer les diverses choses. Donc je vais faire. La mission numéro la 2 pour pas trop vous spoiler la chose. Il faut juste savoir que nous incarnons en fait un personnage imaginaire appelé Dawn, donc c'est la femme que vous voyez là. Franchement pour moi, ça a été déjà la révélation graphique, enfin un jeu Play 4 et tout, enfin un putain de jeu qui tourne à 1080p 60 images seconde. Donc c'est un jeu, on va dire, plateforme, et qui en même temps, comme vous pouvez le voir déjà, la qualité est impressionnante. Je suis trop content de vous montrer un truc avec un HDPVR 2 au lieu d'un vieux stream sur Twitch là. Oh putain, je suis trop fan. Donc c'est un jeu plateforme qui a la particularité en fait que l'on puisse devenir une ombre pour pouvoir passer dans divers endroits en fait. Vous voyez, je peux me transformer en ombre, mais après je suis bloqué s'il y a d'autres ombres sur le mur. Voilà. Je vous dis, c'est un ami imaginaire imaginé par la petite Didi, il me semble. Je vais pas vous expliquer toute l'histoire. Là, je sais qu'il faut que j'aille à la Ghost Note. C'est un endroit où est-ce que la mère de Didi, qui elle est chanteuse, qui essaie de travailler très dur pour arrondir les fins de mois, car le père souvent absent. D'ailleurs, ils sont séparés. Elle essaie. Déjà vu le physique qu'elle a et comment elle danse et comment elle se trimballe sur la scène, on va dire qu'elle fait un peu le tapin. Ouais, malheureusement. Je suis désolé, mais je suis en train de regarder ce que ça donne sur l'ordinateur pour voir la future vidéo que je vais vous montrer là. Enfin, ce que vous êtes en train de voir en ce moment même. Je parle au futur, bien sûr. Le rendu est super. J'adore. Je vais vous dire. Le personnage Dawn, en fait. Écrit par un illusionniste appelé Vincenzo, qui est en fait le véritable père de la petite fille. Voilà, elle est avec son beau-père et sa mère. Et elle, en fait, personne ne la voit. Elle ne voit que Didi. Didi ne la voit que elle. Et seul son créateur, donc le père de Didi, Vincenzo, peut voir Dawn, en fait. Donne-nous un petit coup de main. C'est un mec qui a laissé sa famille, voilà, qui a laissé Didi et sa mère. Mais parce qu'il ne voulait pas d'enfant, mais on comprendra plus tard que l'enfant, il a laissé Dawn comme ami imaginaire à Didi pour veiller sur elle, quoi. C'était toujours le paternel qui a veillé en fait sans trop le dire sur sa fille. Je vous laisse découvrir le jeu par vous-même parce qu'il n'y a pas grand-chose à expliquer. C'est un jeu qui se finit assez rapidement si on le rush bien. Je dis donc du coup ne pas le finir à 100%, mais si on le rush bien en 2h30, on l'a fini. Il y a un projo en haut qui est mort. Vous voyez qu'en fait, il va falloir. C'est un jeu un petit peu de réflexion, astuce en fait, qui vous permettra donc du coup, vous allez devoir un petit peu. C'est un jeu plutôt casse-tête. Donc pour les personnes qui aiment pas trop les jeux un peu à la fut-fut, etc. C'est un petit peu dommage quoi. Donc du coup c'est pas ça qu'il faut vous attendre, c'est pas un jeu d'action, etc. Vous n'allez pas devoir taper des gens, etc. C'est uniquement passer des moments, etc. Donc là, ça c'est la fameuse merde. Bon, je vais passer, de toute façon.
Je suis pas là non plus pour tout vous spoiler. Je couperai les dialogues, etc. Je vais faire genre 2-3 petites missions parce que voilà, je vais pas faire le jeu en entier. Je suis à combien... Bon, là, c'est génial. Alors ça, ce nouveau logiciel, je peux même voir à combien de temps je suis de la vidéo. C'est super. Enfin voilà, je vous dis, c'est mon jeu coup de cœur, franchement, parce que c'est... Fallait y penser. Déjà, l'héroïne, je la trouve plutôt... Bah, enfin, elle a un certain charisme, parce que voilà, enfin, elle a un habit bizarre, certes, mais qui lui va très très bien. Le bas de pantalon, version Beetlejuice, je sais pas si vous vous rappelez qui est Beetlejuice, le fameux zombie que la petite fille appelle en criant 3 fois son nom, le dessin animé tiré aussi d'un film. Ben voilà, ça fait un petit peu ce style-là. Enfin, c'est plutôt sympa. La touche croix vous permettra de sauter, la touche R2 vous permet de devenir une ombre, et là, j'ai ma nouvelle attaque, si je puis dire. Voilà, vous aurez que 3 actions dans ce jeu à faire. Ça touche au rond pour pouvoir péter en fait les murs en fait. Voilà, c'est un ami imaginaire. Elle est équipée d'une, enfin, elle a une force considérable. Elle pourra soulever des choses impossibles avec la touche carré. Voilà, ce sont toutes les actions que l'on pourra faire dans le jeu. Maintenant, j'ai rond, je vais pouvoir me déplacer bien plus rapidement. Et donc voilà, ça, ce sont toutes les actions qu'on aura à faire. Vous voyez, c'est très réduit. Voilà pourquoi c'est un jeu qui est assez court. Mais en même temps, franchement, ça nous permet déjà de voir de quoi la PlayStation 4 est capable. Et secondement, c'est tout simplement pour vous dire que voilà, la PS4 n'est pas que du Killzone, bien sûr, heureusement, n'est pas que du Call of Duty, du Battlefield, du voilà. En fait, c'est pour vous dire que voilà, on s'est tapé dans d'autres jeux que tout le monde pouvait attendre, etc. Là, voilà. Quand je vous dis qu'il faut faire preuve de jugeote, il va falloir jouer avec les ombres, tout simplement. Pour ben voilà, comme ça, vous allez voir. Je crois que c'est comme ça, ouais, je vais me mettre comme ça. Voilà, vous voyez, vous jouez avec la lumière pour que les ombres puissent, ben en fait, puissent apparaître, quoi. Donc là, j'arrive pas à monter, là. Ouais, c'est bon, j'avais le mur qui me bloquait un peu. Hop, voilà, vous voyez, avec un peu de jugeote, il faut comprendre. Trouver la bobine de film dans le bar de jazz. Elle était peut-être quelque part, en fait. Était peut-être ailleurs. Pas de dégâts de chute, donc vous pouvez profiter. Il y aura pas de. Enfin, vous pouvez tomber. Hein. On peut tomber, mais c'est. Enfin, vous verrez qu'il y a un vide. On ne pourra pas se rattraper, quoi. Voilà. La bobine de film, elle est par où ? Il me semble que. Ouais, voilà, c'est par là-bas. Enfin, comme voilà, je vous le dis, franchement, c'est un super jeu qui vaut vraiment le coup d'œil. Je crois que je me suis chié, c'est pas par là qu'il faut aller. Si, peut-être que c'est par là en fait. Et oui, c'est peut-être par là. Là, vous voyez, je ne peux plus me déplacer parce qu'il y a quelque chose qui me fait obstruction. Et voilà, hop là. Un luminaire. Les luminaires vous permettront d'ouvrir certains objets. Enfin, certains. Ça vous permettra de mettre le courant dans certains compteurs en fait. Voilà. La bobine de film, elle est là. Voilà. Donc, je dois ramener une bobine de film en fait au beau-père de Didi parce que, couvert de dettes, il y a des malfrats qui veulent lui péter la gueule et il a décidé de monter un cirque. C'est un homme du spectacle. Il a décidé de monter un cirque, d'appeler le grand Vincenzo justement, qui s'avérait être le père de Didi. Voilà, pour essayer de payer ses dettes, etc. Et donc, du coup, il faut absolument que j'apporte la bobine parce qu'il l'a oublié et il avait rendez-vous avec ses mecs parce que, il est en rate de thunes et il dit, ouais, désolé, voilà, j'ai pas tout l'argent, etc. Donc voilà, il allait montrer comme preuve qu'il fait un film, puis qui sera tourné dans son cirque. Donc c'est voilà, enfin, et comme il l'a oublié, il va se faire démonter, donc il faut vite aller lui apporter. Si je me rappelle bien, oui, c'est comme ça. Alors, il me fallait 3 luminaires. Oui, il vous faudra toujours 3 luminaires pour allumer les compteurs. Donc là, je sais qu'il y en a un. C'est l'objet brillant que je vois là-bas. En fait, il me semble que c'est le pied sur le micro. Enfin, c'est le micro sur pied, pardon. Ça va vous donner des flashbacks en fait du film, des choses où est-ce que, enfin, du film, du jeu auquel on n'assiste pas. Et donc, vous pourrez vous servir des silhouettes pour atteindre différents balcons comme ici présent. Pour récupérer des luminaires. En fait, il y a toujours un luminaire à la clé dans tous les flashbacks. Les flashbacks ont une durée limitée, donc ne vous inquiétez pas, si le flashback s'arrête, il suffira de revenir sur l'icône lumineuse pour pouvoir faire la chose. Du coup, j'ai mon dernier luminaire. Et puis voilà. De toute façon, voilà, déjà, voilà, rien qu'en vous en parlant, je vous ai déjà tout montré du jeu. Une autre technique de saut, d'ailleurs, ça c'est un trophée que l'on peut gagner si on ne se chie pas du preuve. Enfin, si on arrive à ne pas se chier. En fait, il va falloir que je saute. Je peux faire rond pour aller plus vite, mais en étant en ombre. Ça va me projeter dans l'autre pancarte qu'il y a devant. Mais il va falloir, dès que je vais arriver dans le monde normal, qui est entre les deux pancartes, je vais redevenir humaine.
Je parle pour Odin, on est humaine. Donc du coup, il va falloir vite que je refasse R2 pour redevenir une ombre en fait. Alors, je vais essayer de pas me chier. Ok, c'est bon, je me suis chié. Ouais, voilà, fallait. Donc c'est un trophée à gagner d'ailleurs. Normalement, voilà, il faudrait recharger ce moment de la partie pour pouvoir gagner son trophée en fait. Allez! Il veut pas. C'est génial. C'est super, on assiste à un moment epic fail. Putain. Au moins, ça fait durer un peu la vidéo. Je m'attends pas à faire une vidéo même de plus de 10 minutes. Ouais, je parle 10 minutes 15. Hop. Allez, mais c'est pas vrai. Pourquoi elle ne veut pas? She doesn't want. Hop, alors attendez, attendez, clac. Allez. C'est génial. Je vais y arriver, je vais y arriver, de toute façon. Attendez, je vais essayer de me concentrer un peu, je vais arrêter de parler. Ah, oh, j'étais arrivé quoi. C'est abusé. Ah non, mais je suis con. Attends, si. Attends, je peux le faire. Étant un nombre, je peux faire rond. Non, putain, c'est vrai, je suis. Ah, je suis con. Elle peut pas faire rond pendant qu'elle est ombre encore à ce moment-là du jeu. Donc je vais sauter en l'air, devenir humaine, faire rond et redevenir ombre. Alors attention. Alors attendez. Clac, 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 clac. Eh ben voilà. Il suffisait que je comprenne aussi. Je suis un peu loin à la détente, moi. Bon, ben voilà, au moins. Petit enchaînement, là, ça, voilà, ça vous fait un petit peu un casse-tête, manière de bien un petit peu tâter de la DualShock 4, nouvelle Je ne manette peux de pas la PlayStation sauter si 4. loin. Qui Peux-tu m'aider d'ailleurs, à si je connecter? peux en parler brièvement, ok, les LED c'est bien pour reconnaître les joueurs, les différents joueurs, etc. Et en plus, le LED va pouvoir vous permettre d'éclairer quelque chose par terre si vous avez tombé quelque chose et tout. Enfin, c'est la seule utilité que j'ai trouvée au LED. Hein. Donc ensuite, ouais, vous allez peut-être avoir un problème. Il y a certaines manettes qui ont un défaut de fabrication. Les joysticks, notamment le gauche, s'effritent énormément quand on joue avec. Enfin, ben, C'était vraiment un quand on grand titille le coup. joystick, voilà, sans mauvais jeu de mots. Comment tu veux faire un mauvais jeu de mots en disant titiller le joystick, bien sûr. Forcément que vous y avez pensé. Mais cela ne nous regarde pas. Qu'est-ce que je disais? Oui, le joystick gauche qui s'effrite. Et puis, le qu'est-ce que je voulais dire? Le joystick, et puis c'est tout. Non, il y avait deux choses que je voulais dire. Alors ça, ce sont des parasols. Il va falloir que je les ouvre à un certain moment pour pouvoir y aller, parce que vous voyez que le gros, ben, je vais pas pouvoir sauter de ce parasol à l'autre. Ouais, attendez. Alors d'abord, il faut que je fasse, faut que je fasse lequel? Oui, parce que là, je vais pas pouvoir y aller. Il va falloir que je mette de la chaise. Donc du coup, il faut que je baisse celui-là, mais il faut que je baisse celui-là aussi. Vous voyez, il y a un compte à rebours. On l'entend derrière. Donc du coup, je le fais un petit peu, je décale un petit peu avec le temps, parce que si je les activais tous les deux, ça aurait été trop chaud. Voilà, le premier s'ouvre et le second devrait s'ouvrir. Ah merde, j'ai sauté au mauvais moment. Enfin voilà, vous avez compris le principe, et il faut aller sur un. Ça peut enfin, nous montrer le petit luminaire à choper. Mais bon, c'est pas l'objectif, faut que j'aille au cinéma qui est là-bas. Enfin voilà, putain, je pensais qu'il fallait que je dise une seconde chose. À propos de la manette, hein, le C'est joystick et puis verrouillé. je sais pas quoi. Oh, Oh, attends. c'est verrouillé. Je Il y a crois que je quelque peux chose. passer à Attendez, je travers. crois que je peux passer. Comme je te l'ai dit, je suis bonne pour Ah bah arranger les voilà. choses. Tu vois? Qu'est-ce que tu dis que c'est verrouillé, toi? Connasse. Hein. Non, je déconne. Ouais, bon là encore, il va falloir jouer avec de l'ombre. Oui, je peux pas passer ici. Et donc du coup, il va falloir que je mette les bonhommes en fonction. Toi, le monsieur, tu vas aller là. Vous voyez, je le dis, c'est les ombres. Il faut vraiment manier l'ombre. Du coup. Eh bien, toi, tu veux pas? Interagis. Voilà. On va céder des bras pour pouvoir grimper. Toi, je te mets plus près, du coup, parce que tu rétrécis. Je vais pouvoir sauter. Genre là. Ouais, voilà. Je suis sûr que même, j'ai pas besoin de la troisième. Hein. Attendez. Oh là là, magnifique. Elle te fait de ces bons downs. C'est abusé. Ah, voilà. Voilà qui est bien. L'autonomie de la manette, superbe. 8-9 heures d'autonomie. C'est super sympa. Et qui se recharge en 25 minutes à peine. C'est plutôt bien sympa. On aimerait tous avoir des smartphones qui se rechargent aussi vite, hein, n'est-ce pas? Didi, qu'est-ce que tu fais là? Donc Tu n'es voilà, pas là, elle va censée voir être son dehors à beau-père. l'entrée. Où est ta mère? Et puis voilà. Maman Bon, de toute t'appelle façon, comme je vous ai déjà? dit, je pense un Tu petit veux peu à aller vous fumer avoir au tout dit cabaret? Est-ce que tu du veux aller à la jeu. maison? J'espère que dès que vous aurez une Pourquoi Play tu 4 vas ou si chez vous ta en avez mère? une, empressez-vous de l'acheter parce Non, que comme non, je Internet vous suis de, assez enfin pour forte jouer à pour ça. Internet, vous êtes J'ai obligé une petite d'être grande abonné au bite. PS Store. Il n'y a pas si longtemps, t'avais encore ton nom. Ça, Est-ce que c'est ça t'a l'équivalent vraiment cinquante différent? euros par pour Non, l'année, c'est comment l'équivalent de ça? 4,16 euros par mois. Je n'étais pas Pour très le gentil avec toi. 50 euros Tu es un pour un peu abonnement bête. d'un an, Tu m'as vous avez manqué. à peu près l'équivalent de Oh, 1000 c'est euros de vraiment jeux gratuits par possible. mois. C'est Mais je vais vachement rouler ta tête. avantageux. Je Et suis puis, en de toute train de façon, une monter fois en que vous êtes au scène. PSN Tu Plus, apprends vous aux avez vos jeunes. jeux gratuits Et par tu mois. sais, Du coup, c'est j'aime bien incroyable. ça. Tu Et casses. il en fait partie.
franchement, si vous pouvez le tester, il est vraiment super. Les gens, on va se quitter là. J'espère que ben, ma vidéo de contraste vous aura plu. Sur ce, donc du coup, je vous dis portez-vous bien. Je vais enchaîner du coup de suite avec des autres vidéos. Portez-vous bien tout le monde. Au plaisir de vous revoir. Bonne année à tous et à ciao.